Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bonsoir Marie-Dominique, bonsoir Véronique, bonsoir Nathalie, Christine, Isabelle, Sandrine. Oui, je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon dimanche? Mais non, Françoise, pas de panique, je suis là. Bonsoir Viviane. Bonsoir Martine, bonsoir Christelle, bonsoir Rachel, ça faisait longtemps, bonsoir Catherine. Alors là, c'est beaucoup plus facile, je suis plus à l'aise sur Facebook que sur YouTube, mais nous allons y arriver. Retour des vacances de Camargue. Ah oui, ça, c'est bien de revenir de vacances. Alors, hop, je vous laisse arriver. Alors, coucou Véro. Alors, je vais passer sur mon autre caméra. Hop là. Voilà. Donc, alors, comme je disais, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Ce soir, nous allons faire une petite bricole, vous allez voir, quelque chose de très très simple. Ah oui, Christelle, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Donc, pour toutes celles qui ne me connaissent pas et celles qui me connaissent, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stamping Up en Savoie. Je fais des ateliers à distance ou en présentiel. Si ça vous dit de faire un atelier avec moi, vous pouvez me contacter. Nous organiserons cela. Alors bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc déjà dans un premier temps, mercredi, il n'y aura pas de live car j'ai ma marraine Stamping Up qui vient me voir pendant 2 jours. Donc je vais profiter d'elle et je ne pourrai pas faire de live. Par contre, nous ferons bien entendu un live dimanche soir sur Facebook. Alors merci d'avoir été là mercredi. À mon grand désespoir, ça ne marchait pas, mais on a quand même réussi à y arriver. J'arrive plus facilement sur. Oui, bah oui, je sais bien. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Peut-être qu'un coup de temps en temps, je ferai sur YouTube. Mais voilà, on va continuer nos rendez-vous du mercredi et du dimanche sur Coucou Laurence sur Facebook. Et donc, un coup de temps en temps, je ferai un live sur Facebook, histoire de nous entraîner. Donc, j'ai fait l'album que tu m'as envoyé, la gomme, super. Ah oui, ça, la gomme. Donc, normalement, mes clientes, si vous n'avez pas toutes reçu, mais vous allez recevoir le petit cadeau qui était un porte-chéquier et une gomme pour enlever les traces de colle. Bonsoir, Maryse. Donc normalement, vous allez toutes le recevoir si ce n'est déjà fait. Alors n'oubliez pas, vous pouvez réserver le kit du mois d'octobre. Donc c'est le calendrier de l'Avent. Alors n'oubliez pas que vous allez aussi, alors en avant-première, je ne vous dis pas encore, mais vous allez avoir le kit du mois de novembre à réserver aussi. Très très rapidement car c'est avec une collection qui n'est pas encore sortie donc personne ne l'aura donc je vous montrerai cela la semaine prochaine ou peut-être avant si j'ai fini parce qu'il faut vraiment passer les réservations au maximum le plus vite possible. Là, vous avez jusqu'au 20 octobre pour réserver le calendrier de l'Avent. Voilà, toutes celles qui ont reçu aussi leur kit du mois de septembre pour le mini-album, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'album en gros pour que vous puissiez avoir un visuel des pages. Ah oui, Véro, tu l'avais fait avec moi, c'était notre première crop. Donc normalement, j'ai changé de lumière ce soir. Normalement, ça devrait être mieux. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Donc, je vais retourner pour la dernière fois ma caméra.
Et comme ça, on va pouvoir commencer à scraper ensemble. Alors, dimanche, j'avais oublié. Non, mercredi, j'avais oublié de. Ouh, j'ai éteint la lumière. Vous voyez, je suis pas encore au top. Voilà. Hop, là, on va allumer. Ouh là là, alors est-ce que ça vous fait pas trop? Est-ce que vous ça reflète ou est-ce que ça vous va? Donc sinon je baisse un petit peu la luminosité. Voilà. Donc ce soir, on va commencer par le tirage au sort des deux petites boîtes que nous avions fait ensemble. Donc c'était des petites boîtes cadeaux où on pouvait mettre un chocolat. Alors déjà, Christelle, j'ai changé de lumière. Je vous avais dit que je changerais de lumière et normalement, ça devrait être pas mal maintenant. Coucou Christelle, tu m'as gardé un bout de ta brioche, j'espère. Donc aujourd'hui, avec les enfants, c'était journée cirque. On a été voir le magnifique cirque d'Arlette Grusse. Donc vraiment, si vous avez un cirque à aller voir, je vous conseille le cirque Arlette Grusse parce que vraiment, 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 c'est un très beau cirque. Avec une famille qui respecte encore la tradition du cirque. Et vraiment, c'est génial. Donc, ces deux petites boîtes sont à gagner. Je suppose qu'il y a personne qui veut les gagner entre vous, hein. Non, non, mais si vous n'en voulez pas, vous me le dites, hein, il n'y a pas de problème. Ah oui, des beaux chevaux. Malheureusement, on n'a plus d'animaux, donc il y avait des chevaux et des dromadaires. Mais bon, c'était déjà bien. Bonsoir Nathalie. Donc on va commencer par la petite boîte rose. Donc j'ai mis vos petits prénoms dans ma petite poubelle. Et on va tirer au sort. Alors, la première à avoir gagné est Flore Josie. Alors, félicitations. Hop, pour la première. Et pour la petite boîte verte, bonne soirée Martine. Alors, et hop, je vais prendre le rouge. Et le deuxième à avoir gagné est Marie-Paul Dagneau. Dagneau ou Dagneau, je ne sais pas. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, félicitations à Marie-Paul et félicitations à Flore. Donc, hop, je mets ça derrière moi. Et ce soir, on va faire. Alors, je ne sais pas chez vous si vous le faites, mais moi, j'aime bien. Bonsoir Sandrine. J'aime bien le premier dimanche du. 4 dimanches avant Noël. Chez nous, on allume une lampe, on allume une bougie. Donc, je ne sais pas chez vous si vous le faites. Nous, chez nous, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir une couronne avec 4 bougies de l'avant. Et vraiment, je respecte cette tradition et j'aime vraiment la période de Noël avec les enfants. Et donc là, c'est vraiment un petit cadeau qu'on peut faire. Alors, on peut mettre, ici, moi, j'ai mis des petites bougies, mais on peut aussi très bien le faire avec des petits chocolats si vous ne respectez pas cette tradition ou si vous voulez aussi offrir des petites bougies comme j'ai fait. Alors, ah bon, vous êtes normalement 4 dimanches avant Noël. Alors, je pense que c'est une fête chrétienne. C'est chrétien, hein, c'est 4 dimanches avant Noël. On allume une bougie chaque dimanche de l'Avent. Voilà, donc chez nous, on fait ça. Et là, j'ai aimé cette tradition. Et là, j'ai fait une petite boîte qui peut accueillir 4 petites bougies. Donc oui, Estelle, on peut faire la couronne et sur ta couronne, tu mets 4 pieds pour mettre les bougies et ça te fait les 4 bougies de l'avant. Voilà, Marlène, c'est ça. Donc là, j'ai fait la petite boîte avec 4 petites bougies qui correspondent aux 4 dimanches de l'avant. Donc c'est 4 dimanches avant Noël. Et voilà. Donc après, vous pouvez mettre aussi. Après, c'est chrétien, mais on peut. Ça n'a pas de symbolique. Pour nous, ça a une symbolique, mais on peut aussi, chaque dimanche, si on a des enfants, c'est vrai que je trouve que c'est. Ils voient le décompte du mois avant Noël.
Et ça peut vraiment être sympathique d'allumer cette bougie chaque dimanche avant Noël. Et les enfants adorent, franchement. Donc j'ai mis ce petit tiroir dans cette boîte avec ces quatre petites bougies. Voilà. Et c'est un... Voilà, on le ferme. Derrière, j'ai juste décoré avec du papier. Et vous voyez, ça fait un joli cadeau. Et aussi, on peut très bien le faire pour poser sur la table de Noël et mettre, je vous dis, des petits chocolats à l'intérieur. Ça peut aussi être joli. Sympa à offrir avec une couronne. Voilà, ça rythme la fin de l'année. Moi, j'aime cette tradition. Donc, si vous la faites, vous penserez à moi. Vraiment, c'est vraiment une superbe tradition et les enfants attendent avec impatience qu'on allume cette bougie. C'est-à-dire que quand on allume la bougie, il reste 4 dimanches avant Noël. Donc c'est vraiment sympathique. Alors, ce soir, on va travailler. Alors, je ne l'avais pas encore travaillé. Saison étincelante. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce set de tampons, c'est que vous l'achetez maintenant. Vous pouvez faire Noël, Halloween. C'est génial. À toutes les saisons, on peut s'en servir. Et oui, Marlène, c'est ça en fait. C'est quand on allume la dernière, c'est que ça sent bon. Donc, saison étincelante, on peut l'utiliser joyeux Noël, joyeux Noël, joyeuse Halloween. Donc, vous voyez, c'est vraiment un set de tampons où il y a déjà pas mal de tampons. Il y a quand même 16 tampons. Donc, voilà, vous divisez le prix par 16. Et c'est vrai que c'est quand même très, très avantageux. Et après, j'ai utilisé les poinçons qui vont avec. Alors, saison en couronne. Donc, c'est pareil. Il y a tous ces poinçons. Vous voyez, donc, ceux-là pour Noël, la couronne. On peut mettre aussi les petites étoiles que j'ai rajoutées moi dessus. Et après, on peut aussi la faire avec les petites feuilles pour l'automne, les petites citrouilles qui font très bien actuellement. Qui font actuellement. L'automne, mais qui font aussi Halloween. D'accord? Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de découpes et dans ce set, il y a quand même 15 découpes. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Vous voyez, il y a même les petites chauves-souris, les petites citrouilles, des petites feuilles qu'on peut rajouter en 3D. Alors là, le projet est assez simple, hein, mais vous voyez tout ce qu'on peut faire. Il y a une multitude de choses. On retravaillera avec ce projet. Bonjour Emily, Evelyne. On retravaillera avec ce set de tampons pour un autre projet. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment très très sympathique cette petite boîte. Voilà. C'est vraiment tout simple à faire. C'est très joli et ça a de l'effet. Allez. Et quand j'ai ouvert, j'ai mis que cette étincelante saison réchauffe vos cœurs et vos maisons. Je trouve que le texte allait très bien avec les quatre petites bougies. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous voulez commencer? Alors vous allez voir, c'est très très simple. Si vous commencez le scrap, c'est des petites boîtes qui sont très très abordables en scrap. Est-ce que vous avez des petites questions à me poser ou est-ce que ça va? C'est bon, on y va, on commence. Alors, donc on a fait le tirage au sort là. Dimanche, on fera le tirage au sort des cartes. Bonsoir Marion. On fera le tirage au sort des petites cartes. Bon, je vais vous laisser, je finirai en replay. Ok, Estelle, bonne soirée. Donc, on va prendre notre massicot. Hop. Et donc, il vous faut. Alors, j'ai travaillé avec ce joli ruban, alors qui n'est pas dans le catalogue, qui n'est pas dans le catalogue saisonnier, mais qui est dans le catalogue annuel. Regardez-moi cette finesse de ruban qui est vraiment très très bien finie, un peu plus épais sur le milieu. Alors, je ne sais pas, je vous montre, hein, un petit peu plus épais sur le milieu et qui est vraiment génial. Moi, j'adore, 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 j'adore. Il est épais en plus, il se tient très très bien. Je pense que pour faire les nœuds, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, on va travailler avec ce ruban qui s'appelle satin à double surpiqûre, d'où son épaisseur. Hop, on va travailler avec du rouge rouge, du vert jardin et du riche raisin. Donc, voilà les trois couleurs que l'on va utiliser. Je trouvais qu'elles se mariaient bien. La collection Noël en peinture, je prends des petites chutes, hein, qui me restent. Donc, vous voyez, on retrouve vert jardin, riche raisin,
Celui-là est un peu plus foncé. Et le rouge rouge. J'aime bien. Un petit bout de or qui reste pour faire notre petite couronne. Et puis voilà, un petit bout de vert pour faire aussi notre petite couronne. Donc, on va commencer. On va prendre notre morceau de rouge rouge. Donc, sur une feuille de 29,7. Et donc, il vous faut un morceau de 8 cm. Thème naissance avec un chèque cadeau. Oui, voilà, on peut aussi le faire avec le thème naissance. Je pense, bonsoir Patricia, on peut vraiment le faire sur toutes les déclinaisons possibles. Là, j'ai fait déclinaison des bougies de l'Avent. Mais c'est vrai qu'on peut le faire dans toutes les déclinaisons. Donc, 8 cm sur 28,5. Donc, j'avais déjà coupé. Ensuite, on va marquer un premier pli à 8 cm. Donc, on marque le pli. Ensuite, à 10. Attendez. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour 10. Excusez-moi, j'ai Siri qui s'est mis en route. Le 10. Alors, on marque un pli à 8, un pli à 10. Ensuite, un pli à 18. Un pli à 20. Et un pli à 28. Bérangère, on fait cette petite boîte avec des petites bougies à l'intérieur. Voilà. Voilà le projet de ce soir. Alors, un pli à 20 et ensuite un pli à 28. Donc, le pli à 28, il vous reste vraiment une toute petite bande de 5 mm. Mais pas de panique, c'est normal. Donc là, on va marquer nos plis. Alors, posez-moi des questions si vous avez des petites questions. Donc on marque tous nos plis et même le petit pli de 0,5. Donc on se met comme ceci, le petit pli sur la droite. Et il faut savoir qu'on mettra de la colle sur le petit pli et qu'on viendra le coller sur notre premier pli. Alors ça donnera ceci, d'accord ? On remet tout et on vient coller après. Donc là, on va le faire après car on va déjà coller notre petit papier là et on va faire notre décoration à l'extérieur. Oui, Flore, vous avez gagné cette jolie petite boîte. Donc, on va commencer. Alors, pour la décoration intérieure, il vous faut un morceau de riche raisin. En 7,7 par 7,7. Donc du riche raisin en 7,7 par 7,7 cm, il vous en faudra 3 morceaux. Donc 1, 2. Alors, est-ce que j'ai assez? Ça va le faire. 3. Voilà. Donc ça, c'est vos 3 morceaux. Il vous faudra 2 morceaux de papier design. Donc comme celui-ci. En 7 cm par 7 cm. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça reflète encore un petit peu? Ou est-ce que ça va quand même? Voilà, normalement ça devrait être mieux. Donc 7 par 7. Hop, on coupe. Alors, je peux un peu avancer ma caméra si ça peut vous aider. Par contre, je l'aurai un peu dans mon champ de vision, mais c'est pas grave. Donc, 2 x 7 par 7. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va venir donc coller dans un premier temps notre premier morceau de 7,7 par 7,7. Donc là, on vient... Donc, on met notre travail à plat et on met notre petite bande de 0,5 sur la droite. Et là, on vient coller notre premier morceau. Ensuite, on retourne notre travail et là, à droite, donc là, c'est le plus grand volet. On va coller aussi
Oui, Marie, pas de problème. C'est fait pour ça, les replays. Je disais donc que pour celles qui arrivent en cours de route, on maintient nos lives Facebook le mercredi et le dimanche sur Facebook. Et un coup de temps en temps, je ferai un live sur YouTube pour m'approprier un petit peu cette bête. Parce que mercredi, j'ai eu un petit coup de chaud. Donc on va s'habituer tranquillement à YouTube, faire peut-être des petites bricoles pour vous montrer des petites astuces. Mais des lives comme ça, on en fera sur Facebook. Mercredi, je ne serai pas là car j'ai ma marraine Stamping Up qui vient me voir. Donc on va rester mercredi sans live, mais on se retrouvera dimanche pour un super live. Donc on a fait notre à l'intérieur, on a retourné notre travail, on en a mis un à l'extérieur. Donc là, on va venir coller un morceau de papier design de 7 par 7. Voilà. J'ai des petites jambes qui descendent. Qu'est-ce qui se passe? Non, Lilou, tu vas te coucher. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, Bonjour. d'accord. Allez, va te coucher. Donc, au bout de... Mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Donc sur le carré du milieu, on vient coller aussi un petit donc morceau de riche raisin en 7,5 par 7,5. Alors Natacha, mon projet, c'est celui-ci. C'est une petite boîte avec 4 bougies de l'Avent qu'on allume les 4 derniers dimanches avant Noël. Alors, si vous ne voulez pas faire cette petite tradition, vous pouvez très bien mettre des chocolats ou très bien garder cette petite boîte pour mettre sur la table de Noël, c'est très joli. Donc là, on met un papier. Alors Marie, oui, je sais bien, mais elle vient que 2 jours. Et vraiment, on va essayer de profiter un maximum. Et on aura nos maris respectifs. Et c'est vrai qu'on va... Alors, je ne vous dis pas non si des fois elle voulait en faire un, mais ça ne sera certainement pas à 8 heures. Pour l'instant, je préfère vous dire qu'il n'y a pas de live et faire un live surprise. Voilà, je préfère que de vous décevoir et de... Voilà. Donc, on fait notre petite bande de 0,5 sur la droite, un papier uni sur la gauche, on retourne notre projet et on a les deux papiers qui sont mis. Donc maintenant, sur ce petit morceau avec cette petite bande, alors vous pouvez le faire avec un dies. Bonsoir Valérie. Moi, je le fais avec une étiquette, une perforon. Et je viens à peu près au milieu, hop, faire mon petit rond pour qu'on puisse voir. Ma marraine, c'est Sonia Benedetti. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir mettre un petit peu de colle sur notre petite languette et on va venir donc là on se met bien comme ça et on va venir coller notre alors hop moi je vous conseille de bien venir appuyer sur la petite languette de 0,5 donc là on tient bien. Hop là, voilà. Donc là, on a fait la petite boîte. On a fait la base. Donc, on va venir décorer après le... Ah! Et bien, vous voyez, je vous ai parlé, j'ai oublié de mettre mes rubans. Bravo. Donc, comment allons-nous faire? J'ai été trop vite. Donc là, c'est trop tard. Eh bien, on va faire un autre système. On va faire un autre système sans ruban. Et oui, le ruban. Et oui, on a oublié le ruban. Alors, comment pouvons-nous faire sans ruban? Bon. On fera après. Voilà.
Redécoller, oui, Françoise, redécoller. Si je décolle, ça va tout déchirer. C'est pas grave. Je vais décoller là et je vais recoller un. J'aime pas du tout travailler comme ça. Voilà, j'ai fait une boulette. Mais non, Viviane, il faut vraiment que ça ferme, sinon ça ne sera pas joli. C'est pas grave. On décolle tranquillement. On s'énerve pas. On décolle bien. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Allez, hop. Voilà, c'est pas grave, hein. C'est juste un petit bout de papier de design. On prend du double face. Alors avec un cutter, ça sera pas joli. Donc on met un petit bout au milieu. C'est pas grave, vous voyez, ça y est, on a réussi. On coupe un morceau de ruban et on vient le mettre là. Alors je vais recouper un morceau. Oui, c'est ce que j'ai pensé des pastilles de scratch, mais ça aurait pas fait joli non plus. Vous inquiétez pas, il n'y a jamais rien de perdu en scrap, on arrive toujours. J'aurais même pu coller par-dessus. Derrière, je vais coller par-dessus. Ah bon? J'ai l'impression que je suis la seule à allumer une bougie à partir des 4 derniers week-ends de l'Avent. Alors, je ne suis pas la seule parce que j'ai vu tout à l'heure des personnes qui le faisaient aussi. Hop. Et voilà, ça m'a décollé là. C'est pas grave, hein, on va réussir. Une boulette engendre une autre boulette. Voilà. Hop. Ah, ça me fait plaisir, Déborah. Alors je pense que oui, ça se fait beaucoup dans les pays nordiques, mais en France. Allez, hop. On va recoller un petit bout de papier. Vous faites une couronne avec 4 bougies dessus et vous les allumez. C'est génial. Et je vous dis, si vous avez des enfants en bas âge, les enfants adorent cette tradition. Bon, voilà, j'ai rectifié ma boulette, le ruban, et voilà. Donc, pour faire le petit coulisse, la lumière, c'est bien? Ah bah c'est bien, je suis contente. J'ai investi dans une lampe, alors je suis bien contente que ça vous aille très très bien. Donc, on va faire le petit tiroir. Alors, le petit tiroir, il vous faut un morceau de 11,6 par 11,6. Je crois que j'en ai déjà coupé un. Non, j'ai pas coupé. Donc, 11,6 par 11,6. C'est la brioche qui est devant. Donc, 11,6 par 11,6 et on va faire un trait, on va marquer un pli sur les 4 côtés à 1,9. Voilà, donc quand on a marqué les plis à 1,9, on va prendre notre paire de ciseaux et on va couper. Donc les deux du bas, on retourne, on fait en face bien sûr hein, pour que notre boîte soit équitable, comme ceci. Et oui, 1,9 cm. Et là, on fait un biais. Hop. C'est pour que notre boîte soit plus jolie. Bonsoir Valérie. Donc hop là. Maintenant, on marque les plis pour notre boîte. Et là, on va tout simplement coller les petites oreilles. Donc restez bien attentive hein, parce qu'il y a une nouvelle collection qui sort chez Stamping Up que vous allez pouvoir commander à partir du 2 novembre. Mais moi,
vous allez pouvoir la précommander. Alors, vous ne la recevrez pas avant parce que, bien sûr, comme elle sort à la commande. Mais par contre, vous pourrez la commander avec un kit que je vais sortir, que vous allez voir la semaine prochaine. Donc, restez bien, surveillez bien mes publications parce que je vous promets que vous allez adorer cette nouvelle collection qui est tout simplement superbe. Hop là. Donc, on monte notre petite boîte, notre petit tiroir. Une fois que le petit tiroir est fini, et là, ça ne rentre pas, mais si, ça rentre, on le rentre dans le... Alors, j'ai oublié de prendre mes petites bougies. Voilà. Et donc, les petites bougies chauffe-plat. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc, on prend... Hop. Ces quatre petites bougies et on vient les mettre et ça rentre impeccable. Donc voilà, vous voyez, on a fait notre base. Donc j'ai collé avant de faire le tampon, c'est pas grave. Donc là, ici, pour donc j'ai mis ici et ici, il vous faut un morceau de papier DSP de 1,5 par 7,5. Donc là, on prend, hop, on fait 1,5. Voilà. Et deux morceaux. Alors, c'est la collection Noël en peinture. J'adore cette collection. Je trouve vraiment qu'elle est superbe. Oui, c'est une... la collection qui va sortir... Non, c'est pas une collection de Noël. C'est pas une collection de Noël, mais c'est très, très joli. Alors, hop. Donc là, on va venir mettre notre petit morceau de DSP sur le rebord de notre petite... Hop, on tourne. Voilà. On met de chaque côté pour que ça soit un petit peu plus joli. Après, c'est pas une obligation hein, de le mettre sur le côté, mais voilà. Donc, hop, on a fait ceci, voilà. Là, ici, alors, pour le tamponnage, j'ai utilisé vert jardin et rouge rouge. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais utiliser le que cette étincelante saison réchauffe vos cœurs et vos maisons. Voilà. Donc, on vient tamponner. Alors, moi, vous pouvez tamponner avant, hein. Là, j'ai... Voilà, et j'ai utilisé, oui Françoise, pas de problème, j'ai utilisé les petites étoiles du kit de tampon, voilà, hop. Donc là maintenant on va pouvoir refermer notre travail et faire un joli nœud, vous voyez moi le nœud je le fais vraiment sur le haut, et hop là. Et ça va vous faire un joli nœud sur le haut de votre boîte. Alors, hop. Regardez. Comme c'est joli. Donc après, bien sûr, une fois que votre nœud est fait, on lui regonfle un petit peu. Et on fait, hop. Et voilà. Donc maintenant, pour décorer ici, on va prendre notre machine de découpe. Le tiroir fait 1,9 de hauteur, oui. Alors, sur la machine de découpe, on va prendre... Hop. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser... Hop. Alors là, moi, j'ai décidé d'utiliser cette découpe qui est magnifique, avec des feuillages. Donc, les feuillages de Noël. Alors là, je vais prendre sur un morceau de vert jardin. Donc, hop. Merci, ça vous plaît. Vous pouvez mettre des petits pouces, des petits cœurs, c'est encore mieux pour me dire que vous aimez. Ça fait toujours plaisir. Donc, hop, la découpe. Donc, on vient la retirer délicatement parce qu'il y a vraiment, vraiment des petites découpes très, très fines. Hop, donc là. Après,
On prend une petite pince et on vient enlever tout ce qui n'est pas parti. Merci Patricia. Alors je suis contente que le projet vous plaise. Que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait une, je vous ai dit, une après-midi cirque avec les enfants. J'ai préparé un petit projet. Je trouvais qu'il était sympa ce projet. Et donc après on prend un petit morceau de or qui nous reste. Et on vient faire les découpes de nos étoiles. Hop là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, hop là, on met notre machine de découpe sur le côté. Voilà. Donc vous voyez, ça découpe très très bien. Hein. On a, hop, le papier or se découpe très très bien. Alors, donc là, on va mettre un petit peu de colle. Donc je ne colle pas tout pour laisser un petit peu de volume. Donc on met de la colle par petits endroits. Vous voyez, on n'en met pas partout. Mais il faut quand même que ça soit bien collé. Alors, j'ai fait une couronne. Et l'autre, c'est une autre petite couronne, mais la petite couronne plus avec les étoiles. Donc, hop, on vient coller. Voilà. Et la deuxième, elle a des petites étoiles. Et là, je vais prendre des petits dimensionnels. Alors, soit vous en prenez un petit, soit vous en prenez un grand. On peut en prendre un grand. Et par contre, on va le couper en plusieurs petits morceaux. Donc là, on vient mettre plus au niveau des étoiles. Pour pas que ça se voit. Donc on prend un grand dimensionnel et on coupe en trois et ça sera très bien. Hop, j'enlève le papier et ici par exemple. Alors là ça va se voir, j'avais mis un peu plus petit tout à l'heure. Donc on peut revenir un peu. Hop. On vient coller notre couronne. Donc là la couronne sera en 3D, mais le papier est blanc en dessous, donc ça ne se voit pas. Après, on va prendre un tout petit papier de 7,5 sur 1,3. Alors, pourquoi 7,5 sur 1,3? Parce que là, on va faire la petite étiquette Joyeux Noël et on va utiliser cette superbe perforatrice pour faire les fanions. Et je suis devenue fan de cette perforatrice. Je trouve qu'elle aide vraiment. Donc là on vient, donc les, ça veut dire que vous la rentrez dans la première goulotte. Donc là hop, voilà, on fait de même de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre petit fanion. On va prendre Joyeux Noël. Donc on vient bien l'ancrer. Là on se centre bien. Voilà. Donc là j'ai fait en rouge rouge. Et par contre là on prend deux gros dimensionnels que l'on va mettre plus sur le milieu. Voilà. Hop. Et là on va venir le mettre de biais. Et voilà. Voilà, votre petite boîte de Noël est faite. Donc, on peut y mettre des petits chocolats, des petites bougies. On fait comme on veut. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Vous voyez, c'était un petit projet qui était très rapide. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il est vraiment très joli. Vous voyez ? En plus, c'est un projet qu'on peut faire deux boîtes dans une feuille A4. Donc, c'est des petits projets qui restent assez jolis pour mettre sur des petites tables, sur les tables de Noël. Et en plus, c'est des moi, je trouve que c'est vraiment des choses que l'on garde. Vous voyez, ça peut faire des petites boîtes. Après, c'est très joli. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Donc, demain, vous aurez l'article
sur mon blog pour pouvoir le refaire avec les schémas, les articles que j'ai utilisés. Je suis très très contente que ça vous ait plu. Combien de centimètres pour le ruban? Alors moi, je suis généreuse sur le ruban, mais je pense que, je vais vous dire ça, une petite 17 cm de ruban x 2, c'est largement suffisant. Ça vous permet de faire un beau nœud. Bah, merci tout le monde. Vous pouvez m'envoyer des petits cœurs et des petits pouces si vous avez aimé. Donc n'oubliez pas que toutes les commandes que vous allez passer avant le 22 octobre vous donneront droit à une soirée privée avec moi. Vous recevrez un petit kit pour que l'on passe une soirée ensemble. Et tout le mois de sur tout le mois de d'octobre, vos points fidélité sur le programme seront doublés. Donc pour toutes vos commandes, à partir de 50 euros d'achat, vous avez un point. Et ce sera doublé car c'est le mois de mon anniversaire. Donc c'est le petit cadeau que je vous fais pour le mois d'octobre. Voilà. Donc surveillez bien mes publications pour avoir en avant-première le kit du mois de novembre. Car il va sortir et les inscriptions se termineront le 2 novembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui sera sur mon site internet. Et réellement, ne tardez pas parce que c'est une collection, je pense, qui va vraiment plaire. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi, je suis du 15. Voilà, Sylvie, donc on est toutes les deux balance. Voilà, donc je vous remercie. Je vais retourner ma caméra pour vous voir. Non, pour que vous me voyez en face. Et puis, on va se dire... Voilà, on va se dire... Donc, pas à mercredi, mais à dimanche pour notre live. Alors, vous pouvez... je ferai peut-être un petit sondage pour savoir ce que vous préférez. Si vous voulez continuer à faire une page de scrap, ça fait longtemps. Un petit projet de Noël ou si vous voulez qu'on fasse des cartes. Voilà. Donc, je... Oh, mais dis donc. Bah voilà, je vous ai demandé à toutes... Alors, Patricia, bon anniversaire. Je vous ai demandé... Toutes mes clientes qui me suivent, je vous avais demandé de me fournir votre date d'anniversaire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de m'envoyer un petit message sur Messenger en me disant, en me mettant votre date d'anniversaire. Ce serait super gentil. Bonne soirée à toutes. Le loto, bien sûr, c'est le 16. Vous avez dû recevoir le... Alors, Isabelle, Véronique, vous m'envoyez un petit message en privé sur Messenger. Comme ça, demain, je relève tout. Le loto, c'est le 16 avec Laurence. Donc, on va passer une super soirée. Donc, j'espère que ça se passera bien et que vous êtes pressés. Parce que moi et Laurence, on est vraiment pressés de vous accueillir sur notre loto. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis... À dimanche, je pense, à moins qu'il y ait une petite surprise avant. Voilà, bon dimanche, bonne soirée et bye bye.